Bon ben voilà, départ du Mont Blanc. Il fait dégueu. Hein Mac, il fait dégueu. Assez dégueu. Ouais. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon alors Mike, comment tu te sens là? Écoutez, je me sens un peu mal, je me demande ce que je fais ici parce que je suis avec Pascal Lahure, une machine de guerre. Oui. Et, ça fait 600 mètres qu'on vient de faire là. J'aurais pas dû venir. Que 600 mètres. J'aurais pas dû venir avec elle. Madame Lahure, vous êtes après 8 heures de route. Oui. Maintenant... Ben voilà, ça fait presque 26 kills. On en a fait beaucoup trop par rapport à ce que... Enfin voilà, on en a fait un peu trop. Disons du trop de surplus, quoi, on va dire. Et trop de D+ aussi Du D+, on a fait un peu de D+ en plus. Et puis bon, bah ben là, on vient des contamines, on a bien mangé, on a pris Voilà, on s'est pris un bon 20 minutes, là. Hein, on a bouffé un des bon fraises. Ravito. Un bon ravito, comme on aime. Et maintenant, maintenant, on est super contents parce qu'il y a de l'orage. Voilà, donc on se prépare au déluge. On ne sait pas encore trop où on va dormir. Sinon, bah... C'est la grande inconnue. C'est toujours les vacances, hein, ah, Mike. Oui, c'est toujours les grandes vacances. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Je voudrais marquer à jamais mon passage par ce chemin en mettant ma pierre à l'édifice. Il ne va pas trembler, je ne vais pas trembler. Il y a tout qui s'écroule. Voilà. Maintenant, je suis plus fort qu'avant. Oui. Ça porte bonheur. Alors, Mike. Oui, bonjour. On se régale. Je ne dirais pas ça, mais ça nourrit en tout cas son homme. Miam, miam, miam. Voilà. Une pause s'impose. Une pause café s'impose. Une pause tout court s'impose aussi. Car c'est... On en chie. Difficile quand même. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. On est où là déjà? On se fait le four là. Ouais, c'est le J2. Après. À midi. On est allé au col du Bonhomme. On a raté le col de l'Enclave. Et là, on se tape au col du four. Ouais. Et ben, il fait chaud. Hein? Ouais, ça, c'est un fou. On n'est plus qu'à 5 minutes du village des glaciers. On est parti du col du four, on a failli se gourer. On a failli aller jusqu'au lac de Mia. Ça a été peut-être une bonne surprise. Donc on a pensé quoi? C'était long. C'était long, c'était dur. Je suis content d'arriver vers un magasin. Un magasin? Tu crois qu'il y avait un magasin? Bah, au
glacier là, je pense qu'il y a un magasin. Magasin. Okay. J'espère qu'il y a un magasin. Ok. On va acheter une glace. Ok. Ou une autre friandise. Mike est motivé comme jamais. On se fait le col de la Seine. Et j'espère que ça va pas trop saigner. Bye bye refuge, on repart et direction quoi mec? Courmayeur, Italie. Bonjour. Ouais, t'as l'air bien là, ça va? Ça va. Ça s'est bien passé cette petite montée de 500 mètres? Ça s'est bien passé, oui. Ça s'est bien passé. Regarde-moi ce glacier là. Permis de courir un petit peu. Non, ça, regarde. Oui, c'est magnifique. C'est pas beau ça. Voilà, allez, c'est facile aujourd'hui, hein, mec. Quoique c'est facile, mais oui. Comme vous entendez, il y a le tonnerre qui gronde, oui, et qui ne laisse rien présager de bon. Quelques petits coups. Donc nous verrons. Jusque Courmayeur. Nous sommes arrivés à Courmayeur et on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On réfléchit. Alors, si vous demandez mon avis. Non, on ne demande pas ton avis. Si je peux me permettre. On va sur le petit col Ferret, un chemin touristique, sauvage, ouais, conseillé par le coach Andrea Braga, ouais. Et on va suivre son bon conseil. Oui, tout à fait. Et on n'en sera que ravis, je pense. Direction en Suisse, moi j'adore la Suisse, et comme on voit derrière, tout le monde prend le grand col. Nous, on va faire le petit. Nous, on ne fait jamais comme... Voilà, parce que nous, on est différents. Voilà. Franchement, mec, il est courageux parce que ça a l'air de rien comme ça, mais moi je suis à quatre pattes là-dessus.
ça va pas trop là. J'ai mal au bide. Après une matinée plutôt hard, c'est très sympa, très beau, franchement, hein, Mike? Oui, oui, oui. Oui, j'acquiesce. C'était vraiment. C'était trop une beau. Belle matinée. Et là maintenant, c'est beau aussi, hein, c'est pas ça, mais. C'est un peu plat, quoi. Hein? Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, Mike, il a envie de grimper, quoi. Voilà, maintenant le plat m'en. M'emmerde. M'embête. Voilà, moi je veux du relief, quoi. Ce magnifique panorama sur la route des champignons. Et en voici un gros de champignons. Voilà. Oh, t'as le nez tout rouge, c'est marrant. Mais oui, j'ai pris un coup de soleil, malgré la crème solaire. Ouais, on dirait que t'as trop bu. Non, je ne bois pas. Mais je sais bien. Que deux. Bon, ben voilà, il ne nous reste plus que 30-40 minutes. Hein. On va dire pour aller à Champex-les-Lac. On en avait tellement marre. Tellement marre de ce plat, en fait. Que finalement, cette montée, on l'a arrachée, quoi. Je veux dire ça. Hein. T'as tout donné. Là. J'ai tout donné. Eh bien voilà, c'est notre deuxième, en fait, notre deuxième soirée bivouac. Mm-hmm. On est dans un camping. Franchement, on est un peu. Écœuré. Un peu écœuré, c'est le mot. Hein. 34 euros. Plus, 36 euros, 34-35 euros la nuit, cher. Beaucoup trop cher. Ça fait qu'on a pris une douche pendant une heure et qu'on n'a plus de bronzage tellement qu'on s'est douché. Et qu'on est quand même lessivé. On s'est fait un petit thé là, à la verveine. On s'en fait un deuxième. Bon, l'ennui, c'est qu'il pleut et qu'après, on n'a plus envie de, on n'aura pas envie de faire pipi, mais bon. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de chance avec le temps. Oui. Ça fait deux fois qu'on monte à tente et qu'après, il pleut. Voilà. Donc, merci l'univers de nous protéger ainsi. Comme il est beau, oui. Il est beau mon homme là, oui. En plein effort. Il est beau ton légionnaire. Ouais. Ce héros des temps modernes. Coucou. On est parti se faire le col de la Balme. 2h30 minimum, 2h45 de montée, 800 mètres de D+, sous le soleil exactement. Nous avons monté le col de Balme, 870 mètres de D+. Oui, ça fait 40 minutes que j'attends. Un peu moins, je pense. Une grosse demi-heure. Non, mais on s'en fout. Oh, il y a putain, il y a des beaux. Des beaux faucons. Des faucons. C'est pas un faucon. C'est des faucons. Il y a des chamois, il y a des faucons. Il y a des chamois et des faucons. Non, mais là, on moi, va j'ai tout vu, moi. Au col de Cosette.
Posette, ouais. Se reposette. Faire une pause. Petite pausette. On va se reposer. Tout va bien. Ça fait déjà une demi-heure qu'on cherche un logement, une place pour bivouaquer. Une place pour planter la tente, mais il n'y a que des... Mais en fait, ici, c'est impossible. Il y a toujours des buissons, mais... Par contre, le chemin, il est trop, trop beau. Que dire? On a trouvé un endroit incroyable pour bivouaquer. On a une dure journée. Hein? Encore une. On a fait combien? 1700 de plus sur la journée. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Une petite journée montagneuse. Une petite journée. Et je crois qu'on a vraiment bien mérité ce qu'on a là. C'est-à-dire, franchement, the place to be, comme on dit. Nous sommes entourés de... De montagnes. Oui. Partout. Et de pierres. De montagnes, de pierres. Enfin. De dolomites. Regardez-moi ça. La tente. La tente est là. Et on essaiera de faire un petit feu. Ouais. On s'est levé à 5h, voilà. Et on est parti, on a mis notre temps là ce matin. On a profité de ce beau cadre. 1h30 à partir de ce lieu. On a du mal à le quitter, j'avoue. Ce lieu béni des dieux. Ouais, c'est magnifique. Avec ce dolmen. Oui, c'est dolmen. C'est un dolmen. Enfin, c'est tout cas, cette pierre. C'est roche. Ainsi se termine notre aventure. Ah non, c'est pas fini. Hein. Encore 24 minutes. Je suis pas d'accord. Encore 24 minutes. 24 minutes. On n'a pas pris les mêmes chemins que les autres. Regardez un peu là. On est à 1000 mètres. Et on a pris une petite descente. Très technique. Plutôt technique. En fait, on a fait, on ne savait pas.
Mais on a fait plus ou moins l'équivalent de 1000 mètres de 2 mois. Alors je râlais parce qu'on n'arrivait pas aux 8000 des plus, mais avec les 1000 des mois aujourd'hui, je pense qu'on a quand même... On a quand même chié, quoi. Ouais. Enfin, ça glissait bien, quoi. Pour être technique, c'était technique. Hein. C'était un bon entraînement. Et maintenant, on a encore 2 km de plat. Pour terminer, en beauté le long du torrent de l'Arve. Voilà. Un petit bisou pour terminer l'aventure. Je suis avec Pascal Lahure, une machine de guerre. Oui. Ça fait 600 mètres qu'on vient de faire là. J'aurais pas dû venir. Que 600 mètres. J'aurais pas dû venir avec elle.